Ça va vite, ça va vite. Allez, Luigi, vas-y Luigi, vas-y. Attrape l'étoile, attrape l'étoile, attrape l'étoile, attrape l'étoile. Ouais. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Ouais, mais c'est parce que d'habitude j'ai Luigi. C'est pour ça que j'ai pas mes repères là. Ouais, et tu sais quoi, Dark, quand j'étais dans la forêt, quand je vais dans la forêt, eh ben j'ai mangé des champignons de Mario. Eh ben ça fait pas grandir, ça fait juste faire du caca vomi. Tu sais ce qui fait grandir, Aegis? La soupe? Non, la prison. Ah ouais. Dark! Dark, c'est quand tu te maries avec Caroline? Parce que si elle continue à baiser avec Jérôme, ça va faire bizarre au mariage, hein. Eh, Dark, je pourrais encore faire la bise au curé, c'est vrai, je pourrais encore faire la bise au curé, hein. Ouais. Je suis trop content. Et puis après, je ferai le chien au mariage, et je ferai la chanson quand vous arriverez dans l'hôtel, et je ferai... T'aimes bien? Jérôme, Jérôme, quoi? Jérôme, quoi? Jérôme, je fais un fanzine et je voulais savoir si t'étais d'accord que je t'interview. C'est un fanzine pour vendre dans les conventions. T'es d'accord? T'es d'accord? D'accord, mais dépêche-toi. Je peux te prendre une photo d'abord? T'as pris la moquette bleue en photo, là? Ouais. D'accord. Jérôme, t'as quel âge? C'est la première question. Jérôme, t'as quel âge? J'ai 56 ans. Ah, tu... Ah, on dirait pas. C'est parce que je suis né aux États-Unis et tu sais, là-bas, avec les fuseaux horaires. Ah ouais, d'accord, ouais, ouais. Ouais, les fuseaux horaires, ouais. D'accord. Fusée. Bah. Tu parles de fusée, ça me fait penser que... Tu savais que j'étais cosmonaute? Ah! Ouais! Ouais, je savais! Ouais, je savais! Il est où ton pantalon? Mon pantalon? Ton pantalon cosmonaute? Celui qui fait que quand t'es sur la Lune, tu voles comme ça! Il est à la laverie. D'accord, laverie. La... Ve... Y. Régis, je t'ai déjà parlé de mes enfants. Non! Ah! En fait, j'en ai trois. Franck, Philippe et Adèle. Adèle. Et en fait, un peu comme toi, ils arrêtaient pas de me poser des questions tout le temps. D'accord. Et ça m'énervait un petit peu, alors je les ai donnés à Monsieur Crocodile. Je vais aller aux toilettes. Oh. Tu joues encore à Peter Parker? Non, non, je suis un fanzine. Je suis un fanzine. Je peux t'interviewer? Dark, je peux? Je peux? Non. D'accord. Dark, Angel 64, est-ce que t'aimes les chats? Non. Moi non plus, des connards. Dark, Jérôme, il a dit que Caroline, elle t'aime encore. T'es d'accord? Ah bon? Je m'en fous. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que si t'avais pas de bras, tu voudrais quoi à la place? Non mais c'est vrai, même encore. Des bras robots ou des bras bioniques? Des bras... Comme ça. Je la déteste. D'accord. Non, mais en même temps, je l'aime, je comprends pas. Je veux dire, c'est comme si c'était Catwoman, quoi. Elle est méchante, mais j'arrive pas à m'empêcher d'éprouver des sentiments pour elle. D'accord, t'aimes les chats, alors. T'aimes le chat. Et puis Jérôme, tu sais, il dit que je lui ai volé un poème, mais je veux dire, il m'a quand même envoyé en prison, quoi. C'est pas super équitable. Moi, je m'en fous, je vais me venger. Ouais. Œil pour œil. Dent pour dent. Hein? Oeil pour oeil, dent pour dent. Ouais, si tu veux.
Non. Ça. Ça. Da, je peux prendre la photo pour finir? Ouais, ok. Ça marche pas. Ah. Regarde. Ça, c'est des photos de ma kick. Ça, c'est ma kick dans les WC. Ça, c'est ma kick à côté de Caroline qui dort. Ça, c'est ma kick à côté de Jérôme qui dort. Ça, c'est ma kick à côté de toi qui est réveillé. Et c'est pour ça que les poupées en porcelaine chinoise n'ont pas toutes des kimonos. Kimono, d'accord. Oh. Ah, Dark, on sent tout de suite quand t'arrives, hein, t'as toujours pas changé de t-shirt. Bah, c'est normal, moi non plus. Mais oui, mais non, mais toi, c'est pas pareil. Toi, c'est le même, mais c'est pas le même. Mais oui, voilà, t'en as 5. Alors que lui, c'est le même, mais c'est le même. C'est le même depuis la prison. Ah, va-t'en, tu pues. Tu pues. Bon, t'as quel âge? J'ai 23 ans, je t'ai dit. D'accord. Jérôme, selon des sources sûres, il a dit que t'aimais encore Dark. Alors, Jérôme, il m'a fait me sentir femme. Mais il est quand même super chiant. Ouais, d'accord, chiant. Et Dark... Dark, il est quand même trop craquant. Il est comme un petit oiseau qui serait tombé du nid. J'ai envie de le materner. En fait, j'ai presque envie de lui donner le sein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Régis? Moi, je pense que j'ai vécu dans la forêt et que les oiseaux, ils mangent pas des seins, les oiseaux, ils mangent des vers de terre. Non, mais pas ça, mais... Est-ce que tu crois que je devrais quitter Jérôme? Je sais pas, moi je suis journaliste, moi je peux pas répondre. Si t'étais dans le désert, est-ce que tu boirais ton pipi? Non, mais t'as raison, il faut que je quitte Jérôme. Pipi. Voilà, j'ai fait un super article. Le pantalon qui vole. Le chat, c'est des connards. Je bois le pipi de Jérôme.